Aujourd'hui, je vais fabriquer une cachette secrète qui va mener du coup à une pièce secrète. T'es un putain de malade. Mais quoi ? Qui va se passer ici. À côté de ce studio, il y a le même studio, mais qui est vide, derrière ce mur-là. J'ai envie de faire un petit chemin secret qui va nous amener là-bas, mais que les gens qui vont venir ici vont dire « Oh, c'est un peu petit, dis donc !» Et moi, je pourrais faire « Eh non !» Un peu Narnia, mais en plus stylé. Par contre, je voulais un truc un peu ridicule. Pour accéder à ce passage secret, faut faire comme ça. Et du coup, cette salle-là, ça va être une salle un peu détente. Là, on va pouvoir manger. Vous allez voir ce qu'on va installer. J'ai acheté plein de trucs à Ikea. C'est hier aussi, acheter un petit truc pour se divertir. Ça va être incroyable. Par contre, juste si jamais la propriétaire passe par là, je suis désolé. Mais vous allez être fiers. Oh, vous pourrez venir à quatre pattes aussi. Allez, donc. Je fais plein de trucs sur la chaîne. J'ai un concept qui s'appelle choisir la bonne porte. En gros, j'invite un guest que vous connaissez sûrement. Il y a une porte bleue, une porte rouge. Il doit choisir la porte qu'il veut. Mais il y en a une des deux qui est horrible. On sait pas c'est laquelle. La couleur ne veut rien dire. Et par exemple, des fois, tu ouvres une porte, t'as une voiture pour enfants ou à côté, t'as une AMG. Par exemple, tu vois. Là, actuellement, je sors 2 vidéos par semaine pour atteindre l'objectif des 100 000 abonnés sur YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Parce que là, le problème, c'est qu'il est un peu tard. On est dimanche soir, 20h. Et je pense que si je fais trop de bruit, ils vont me défoncer. Là, je pense que c'est pas mal. Les autres meubles. Mais la table, ça va aussi, elle passe pas. Vous venez d'entendre notre discussion, là? Putain, j'avais pas pensé à ça. Ah bon, là, juste... Wow, je mets des lunettes de protection. Ouais. Mais ça va, t'avais pas trop de bruit, en vrai? Ah si, hein. Ah si! Je me suis fait prendre par un truc, je sais pas c'est quoi, gros. Bon. Oh. Ah! Mais mec, c'est quoi, ça, là? Mec, t'es prêt? Ouais, je suis prêt de où? Wouah, mec, il y a trop de poussière, fais gaffe. Wouah, on y est, mec. C'est bon, je suis entré. Mais il a l'impression d'être évadé de prison, frérot. On a gagné un studio, les rats. Les propriétaires, encore une fois, je suis désolé. On fait ça juste pour se faire plaisir. S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Soyez gentils avec nous. Pourquoi on a fait ça? Parce que dans un mois et demi à peu près, on va se faire dégager. Parce qu'en gros, ici, il y aura des habitations. Ils vont détruire tous les murs et tout ça. Donc c'est pour ça que je me dis qu'on peut faire ça. Ils vont tout détruire. Donc dans tous les cas, ça, c'est pas grave. En plus, franchement, ça a été fait proprement. Je suis fier de moi. Papa, une note sur 10. Dans les commentaires. Merci. Oh là là là, mec, c'est incroyable, mec. C'est trop bizarre de voir le studio. Mec, viens mettre la caméra ici, mec. Regarde, mec, tu vois. Le luxe. Mec, c'est n'importe quoi. Et les gars, juste très important, là tout à l'heure, il y a Raph qui va venir. On va tout aménager. Oui, viens. Depuis hier, on le tease en disant on va faire un petit truc dans le studio. Là, on va juste lui dire, bah mec, on a acheté un meuble. Là, il va se dire, ah, c'est de la merde. Et là, il va ouvrir. Et là, Seyar sera caché derrière. Et là, il va venir ici, il va se dire, waouh. Les gars, il va être comme un gamin. Parce que c'est vraiment un truc, frérot, que toute ta vie, tu rêves de faire ça, mon ref. Bon, bah, on va aménager ici. Et puis après, on va tout cleaner. Ah ouais, tu peux sortir avant. Ok. C'est impossible de sortir d'ici avec la classe, en fait. Avec le style. Ouah, mon gars, ça fait bizarre. Mais mec, c'est trop bizarre, mec. Je suis dans un monde parallèle, frère. T'as pas, tu te dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Regarde, lève la tête. Là, t'es au Lox, frère. On dirait que tu fais ça et t'es dans un studio vide. Oh, mec, ça passe. Mais mec, c'est génial. La tablette passe, en fait, finalement. Oh, la dinguerie. Voilà ce qu'il a acheté, les gars, c'est flouté. C'est incroyable. Ah ouais, c'est flouté. Vous allez voir après. Vous allez voir après. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est une dinguerie. Passe. Mec, ça passe, c'est une dinguerie. Ah, par contre, mec, c'est un peu petit, hein. J'ai acheté ce petit tapis. J'ai toujours rêvé d'avoir ça quand j'étais petit. Je l'ai jamais vu. Papa, maman, c'est pas du tout un message en mode vous avez fait les bâtards avec moi, hein. Incroyable, les roches. En gros, ici, ça va être l'espace un peu détente. Qu'on va vouloir manger ou se détendre. Genre pour la créa, qu'on aura des idées de vidéos, qu'on a envie de poser ça, une petite réu, des réunions, tu vois. Pour venir faire une réunion sérieuse, on va devoir venir à quatre pattes. Et ça, c'est encore plus drôle, je trouve. Oui, j'arrive pour le briefing. Donc. Oui, viens pour le RDV 9h. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. C'est parti pour la réunion. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, on accroche ça là. On va écrire bienveux. Il y a un E, bienvenue à la fin. Ouais, ouais. Bienvenue, Raph. Une lanterne japonaise. Histoire que ça passe un peu genre en mode hey, on... Ah mais merde, c'est solaire. Voilà, ça fait cosy là. Ça, j'en suis très fier. Un petit vélo qui fait un peu Amsterdam. Ma soeur va être très jalouse quand même pour ça. Ça, ça ira droit dans mon appartement plus tard, hein, je vous le dis. Un petit pot de fleurs devant le vélo, c'est trop mignon. Et il y a marqué, attention, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Je trouve ça magnifique. Comme ça, accroché, vous vous dites waouh. Vraiment, j'en rajoute pas du tout, je suis vraiment fan de ce truc-là. Mec, je trouve ça incroyable, mais comme ça, là. Bon, mon frérot, je te laisse montrer ce que tu as acheté. Une pure dinguerie. Vous êtes resté jusqu'ici pour ça? Je pense pas. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'avoir un baby-foot? Non, pas un baby-foot. Un ping-pong, alors? Comment faire le choix, en fait? Parce que j'avoue, moi, j'aurais bien aimé aussi, quand même, un billard. Ouais, mais moi, j'aurais aussi voulu faire du hockey, mais ça, c'est les quatre en même temps, je sais pas si on voit. Il y a 4 trucs. C'est incroyable. Bon, par contre, on aura droit à seulement 5 minutes de pause entre les réus. Hein. De toute façon, nous, dans tous les cas, la réu, mec, on peut la faire autour d'un billard ou autour d'un bowling. Bah ouais.
Mais ça, c'est le play button pour s'abonner. Oh ! La moulaga. Je vous attrape et je vous garde avec moi. Ouh. Et je suis nul. Vous êtes nul. À moi. Vous êtes nul. À moi. Prêt. Combien de degrés, franchement, il est super. Bah, génial, t'as gagné. Va falloir qu'on monte le meuble et surtout tout cleaner. Bon, les gars, tout est prêt. Hop, 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 hop. Vous rentrez dans une pièce qui a une armoire comme ça, que vous vous dites putain, je vais traverser le mur. Il y aura un truc, en gros, c'est que là le problème c'est que tout, mais on voit direct, tu vois. Et moi, je veux vraiment qu'on ouvre et qu'on se dise, bon, bah, y a rien, tout est classique, tu vois. Va, retourne-toi. C'est bon, tu veux ouvrir, tu vas acheter un tapis. Ouais, ouais. Et un armoire. Et, enfin, et une armoire. T'es en vrai lourd. T'as vu, elle est stylée. Il y a pas comment on l'ouvre. Mais dedans, mec, j'ai mis plein de rangements, mec. Mais on peut pas l'ouvrir, hein. Si, c'est comme ça. Oh, oh, oh la vache, quoi. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Arrête de mentir. Arrête de mentir à toi. Mais viens voir, mec. Alors, une salle de repos, mec. Avec une salle de détente. Mais quoi? Voilà, mec. Mais wesh. C'est pas une dinguerie, frérot? Bah attends, tu vas pouvoir même travailler là si tu veux, pour être plus tranquille. Ça, c'est l'heure. Mais what the fuck? C'est pour ça que j'étais tout blanc, mec. Il me dit tout à l'heure, pourquoi t'es tout blanc partout? Mais oui. Parce que frère, on passait par là pour faire le trou et c'était une dinguerie. En fait, un jour, on était vraiment à la bloquer avec Aurélie Gringe. On était sur le canapé, on se disait, mec, ça serait trop drôle de faire genre une espèce de trappe pour chien où t'arrives dans un autre studio et c'est genre un autre studio, tu vois. Eh oui, mec. Et attends, il manque plein de trucs. Je vais acheter un frigo, micro-ondes pour mettre là, et vraiment, du coup, on va pouvoir manger là. Ah oui, ici, ça va être les rues ici. Mais attends, tu l'as acheté le costume? Ouais. Mec, c'est incroyable, frère. Oui, t'as vu, c'est lourd. Hein. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Incroyable. Mes amis. Premier degré, je m'attendais zéro à ça. Les roulettes, là. Les roulettes. Oh là là. Bam. Bon, vas-y, on retourne dans l'autre studio, mec, tu vois, de retourner dans l'autre studio, comment ça fait bizarre. C'est incroyable. La dinguerie, mec. Et on ferme la porte. Bien ça. Par contre, tu vois, là t'as oublié d'éteindre la lumière, t'as bien le seum. Tu dois tout refaire ça pour être... Oh, attends. Bon, aujourd'hui, on est le lendemain et Loïc vient de m'envoyer ça. Dis-moi quand tu seras au bureau, mais moi j'y suis. J'ai hâte d'aller voir si t'étais là. Et j'ai vu à travers les stores là, le truc d'à côté, mec. T'es un putain de malade. On va aller voir ça de plus près. Ouais, j'en vois pas. Faut vraiment regarder de près en fait. Wow, wow. Mais t'es pas mal. Ah, la dinguerie, mec. Putain de fou. Il y a même un billard. T'as vu? Non, c'est pas nous ça. Hier, on devait créer un faux fond pour que ce soit clean et que quand on ouvre, on se dise pas. Oh, mais dis donc, c'est cramé. Je viens de faire ça. Regardez, ce que j'ai fait, c'est oh, vraiment y a du spectacle. Il n'y a rien du voilà. Tout. Si, oh, production. Ah. Et là, on va ranger, je pense, nos matos de vidéo, tout ça, enfin. Soi-disant. Et du coup, les proprios vont pas oser toucher parce qu'ils vont dire, ah, ça coûte cher, on va faire attention. C'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, s'ils font ça. Hop là, le petit passage secret. Et on referme. Waouh, ni vu ni tout nu, comme on dit. Alors on dit pas ça, on dit ni vu ni voulu. Trouver c'est quoi le... C'est pas ça? Le tourisme. Oh, je vous aurais pas fait venir pour faire les vidéos. Regardez les gars, je suis un petit soldat. Ça va, non. Non, j'arrête. Eh, vous êtes sûr quand le placard est rien drôle? Ah ouais. Ah, c'est un placard. Ouais, le bien. Allez-y, what the fuck? Bah attends, mais t'es un tueur. En plus, Paul, il a ouvert, il a fait un don, y'a rien. Non, y'a rien. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, les gars. Son Insta, il l'a dit, je le redis, mec, c'est un craquitos. On a eu une idée il y a de ça 2 mois, frère, et il l'a fait, il m'a brain de fou. Mais j'ai très peur des conséquences. Oui, mais on vit au jour le jour. Au revoir. Allez, bisous. Let's go. C'est bizarre, je te jure. C'est incroyable. Miam, miam.